Ça va, vraiment à l'écoute de vos corps. Ensuite, à l'intérieur de ça, on aura 7 matchs de préparation, un stage à team, et puis on va se mettre en ordre de reprendre tranquillement. On va pas beaucoup plus échanger. L'objectif d'aujourd'hui, de ces deux jours derrière, c'est qu'on va scinder le groupe en deux. Il va y avoir une partie qu'on va encore faire les tests de sérologie qui vont se tenir à part. Les autres qui ont fait les tests, on va sortir tranquillement. Des petites lésions sur le cœur sans que vous soyez au courant. C'est pour ça qu'on vous emmène avec des tests. Il faut aller jusqu'au bout. Il y a certainement des morts subites sur les terrains qui sont liées à des virus que les gens ont fait, mais on ne diagnostiquait pas à l'époque. Maintenant, on diagnostique, donc on est très attentif. Donc, c'est pour vous protéger, vous. C'est vraiment pour vous protéger, vous. Donc, vous pouvez être porteur sain, la preuve. Dire moi je vais bien, je suis en super bonne santé, et puis distribuer votre virus à tout le monde, et puis il y en a un plus fragile qui va finir en réa, alors que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. Donc il faut à la fois protéger l'équipe, en sachant que vous connaissez le protocole, si un jour dans un prélèvement dans le nez, j'ai un virus, et ben, c'est la 14e, c'est la mise à l'écart, c'est après un gros bilan, et en sachant aussi que ça peut donner une sensation de très grosse fatigue qui dure à l'effort, à la reprise. Donc le virus est encore là, beaucoup moins, on est d'accord, il faut faire gaffe. Fassiez gaffe à l'intérieur, c'est-à-dire que là, il y a une promiscuité énorme ici. En absolu, il faudrait un mètre entre chacun. C'est pour ça qu'on vous met un masque. Alors, ok. Ouais. On va appeler les gars ou quoi. Il y a un groupe avec un mètre, un groupe avec...